jour, nous partons pour Saint-Maurice-près-Pionça. On va retrouver donc le deuxième rassemblement nomade de Langourou. On y go. Il pleut, bergère. La ma Didi, c'est moche, hein? Ça continue de pleuvoir. Et ma petite mémère qui fait un petit dodo. Et moi, je suis très content de mon haut vendôme. Aucune formation d'eau dessus, puisque ça s'écoule automatiquement.
pleine et nette. On se croirait presque en automne-hiver. Il y a 17,8 dans la caouette. Dehors, il fait à peine plus chaud. C'est cette humidité, hein. Hein, ma nénette? Ouais. Dimanche soir, il y a encore beaucoup de monde. Enfin, beaucoup. Oui, on doit être une bonne trentaine. La boîte, elle est là-bas. Voilà, ça c'est mieux. Tout le monde replie un tout petit peu les petites affaires. Thank you.
du grand n'importe quoi. Wiz est devenu fou. Exact. Ce que vous ne voyez pas à l'écran, c'est que ça monte très fort et que c'est boueux. Je peux pas prendre ça. Obligé de prendre à droite et ça commence vraiment à m'énerver. N'importe quoi. Ras-le-bol de Wiz. Si j'avais que ça à faire, du 4x4. Oh putain! Eh oui, pas le choix. Je dois grimper cette montée de terre, pleine d'ornières. La moindre erreur, et c'est fichu. Courageuse petite cahouette qui arrive jusqu'en haut et à me sortir de ce mauvais pas. Vache. Après cet événement, des bruits de frottement se font entendre dans les roues. À force de faire du tout-terrain et du 4x4, Cahouette s'est ramassé branchages et mode de terre sous elle. C'est ça. Oh non, c'est la même chose. Allez, remonte. Eh oui, Wiz est têtu et me renvoie sur la même route. Mais moi aussi je suis têtu et je retrouve toute seule ma route. Dis donc, ça s'est ouvert, dis. Seulement j'ai fait du top. Merci à mes abonnés et futurs abonnés. À bientôt avec la mise à nu de Cahouette.